C'est mieux que je dis que nous content que pour nous comprendre, merci Jacques Mel,
pour dire que nous avons un pile de monde extraordinaire que n'a pas dit ça, que c'est et que des jeunes de Jacmel qui un peu partout et que moi c'est ça qui là nous avons monsieur André Pierre, le père Jasmin et avec les jeunes de Jacmel bon pour cette émission. Donc monseigneur et monsieur André Pierre, monsieur et père Damien et les jeunes de Jacmel, bienvenue ou bien bonjour sur les antennes de la radio Télé-Sud-Agri. Vous voulez saluer nous avec un pile remet, avec un pile admiration, avec un pile estime. Et nous pas connaissons sûrement, parce que nous trop jeunes, nous quittons Haïti depuis plus de 60 ans. Et nous faisons des petits voyages rapides. Et nous avons passé Jacques Mel déjà, nous avons rencontré Monseigneur Saturné. Il était fait visiter la cathédrale Jacques Mel. Donc, tout espoir, nous, c'est pour jeunesse. Parce que Haïti besoin renouveler, nous avons besoin d'une jeunesse intelligente, une jeunesse qui comprend nécessité d'involvement, et puis une jeunesse qui enracinée dans des convictions profondes au sujet de Jésus-Christ, qui vivant en nous, et Jésus vient faire un travail de renouveau de l'humanité, mais c'est à travers nous-mêmes le travail ça a fait. Donc, je ne vais pas me dire longtemps, je vais dire affection, moi. Et m'a quitté que programme là développé. C'est pour mon Dieu béni. Merci, Monseigneur. N'a passé avec Monseigneur André Pierre pour qu'il propose une introduction avant que nous présentions les textes. Chaque membre n'a pas la présentation. Merci, Frère Buto, pour l'introduction ou dit pour me faire. Même salut au Bishop Sansaric. C'est grâce à lui-même, depuis les années 70, qui créait. Ça nous relait apostolat haïtien à New York, qui développait, et je dis, qui est capable de rassembler le monde, rassembler nous-mêmes tous, tout côté nous y est sous la terre. Nous en Haïti, nous en Floride, nous Montréal, nous à Rome, nous dans New York. Et occasion rassemblement ça, c'est pour nous tendre voix Jacques Mel, pour nous tendre jeunes qui grandit Jacques Mel, et puis qui portait avenir Jacques Mel dans New York. Pas seulement Jacques Mel, mais Haïti. Ces jeunes qui gagnent un gros rêve, ces jeunes tout qui décident avec études y a fait, j'ai découvert le monde, j'en y a préparé pour y changer la vie dans le pays d'Haïti. Nous disons bon Dieu merci pour l'occasion ça. On a commencé tout de suite avec panel là. Côté Simon Cepedamé. Moi salue Monseigneur Sansari. Moi salue Monseigneur André, moi salue Monsieur Buto. C'est avec en pile que content que moi présent ensemble avec nous dans belle émission ça. Et puis moi content tout accompagner et en pile jeune Jacques Mel et qui a étudié en France, Canada et puis qui en Haïti et pour nous capable participer dans belle émission ça. Pour nous dire et qui ça Jacques Mel gagne comme potentialité pour que nous capable témoigner de qui ça recevoir comme formation à Jacques Mel pour nous capable parler de rêve pour Jacques Mel pour Haïti à partir de études qu'il a fait dans l'autre pays et donc moi content dans mi temps tant pour moi nous te dit monseigneur André te dit nous gagne une jeune qui Jacques Mel. Nous gagnons et Pifonayo qui en France, gagnons Delcado qui en France, gagnons et Florence qui en France, gagnons Naranka qui en France, gagnons Diricordo Dosso qui en France, et puis gagnons et Ernst qui a Jacques Mel, gagnons Kendia qui est Canada. Donc, c'est ensemble avec vous, nous pourrons essayer d'échanger dans l'émission ça. Donc, merci et pour présence nous parce que nous t'ai accepté venir, nous accepté présent et puis nous pral fait parler ensemble pour nous capable parler de Jacques Mel. Alors on a bail possibilité à Delcano pour les capable présenter tête li pour les capable dire nous qui l'essayer. Bonjour tout le monde et bonjour nous-mêmes les spectateurs, bonjour mon pat panelisio. Mon nom c'est Delcano Lambert, Jacques Melien natif natal. Et puis, moi, j'ai fait toute étude primaire, moi, Jacques Mel, secondaire, moi, dans IDEF. Après ça, moi, j'ai eu une chance pour
pour me quitter le pays pour m'aller étudier d'abord au Maroc. Puis par la suite, t'es transféré ici à Paris pour me poursuivre l'étude. Eh bien, merci. N'a pas ça qu'un diaconien? Oui. Bonjour tout le monde. Donc, salut Monseigneur, là. Moi, salut Pierre Damien et Monsieur Buto. Après ça, tout le monde, Jacmelio. Ben, moi, c'est Kindia Alexandre. Moi, c'est Jacmel. Moi, le vieux Jacmel. Moi, je fais toute étude de mère avec ce modèle chez les sœurs salésiennes de la Mandou. Et moi, je fais étude universitaire dans l'INDH comme infirmière. Donc, dans moi, Canada, moi, poursuivre étude. Et donc, moi, content avec nous. Et puis, tout le monde sait que ensemble, on a une meilleure image de Vimo, de Haïti. La passe à Guy Ricardo de Soukounia. Saluer nous tous qui constituent le panel là. Moi, c'est Guillaume Ricardo Dossou. Moi, c'est Moun Jacmel. Moi, je suis dans une zone qui est le Mabial. Moi, c'est un ancien professeur français, économie à comportement organisationnel. Moi, j'ai eu une chance de travailler pour plusieurs organisations qui ont évolué dans le domaine de la gouvernance. Moi, étudier management public dans l'Université Notre-Dame d'Haïti, Jacmel à Port-au-Prince. Actuellement, moi en France, m'a étudié management public dans l'Université Aix-Marseille. Moi, c'est un jeune qui a un parcours associatif et moi crois dans la jeunesse haïtienne pour le développement du pays. Le passage Joseph N. Sounia. Mabdi, un grand bonsoir à Monseigneur Sansari, à Monseigneur André, à Père Damé, à vous-même, Monsieur Tuto, et à toutes celles qui sont panel là avec nous pour partager. Ça vous vient comme connaissance, ça vous vient comme rêve, à tout le monde qui a regardé nous là sur Internet là. Moi-même, moi, c'est Joseph Wald Ernst, moi, c'est Petit Jamel. Moi, je fais études, moi, je fais kindergarten, moi, les gosses, je fais études primaires, moi. Unis de la Fond, qui fait études secondaires à mon IDF, institution du bon pasteur, et Kounia, moi, en troisième année, sciences de l'éducation, université Notre-Dame d'Haïti. Moi, c'est président d'une association qui l'a pour côté aide des étudiants, et en gros, il y a une petite petites églises. On passe à Nainka, et Météorus. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et non pas moi, je dis encore, c'est la honte qui a juste pour les élus. Monsieur Jacques Méliel a 108 ans et un fidèle catholique a 108 ans. Je fais toute étude dans Jacques Méliel et je commence à évoluer dans Jacques Méliel. Après le baccalauréat, je viens en France pour continuer l'étude dans le du langage et communication actuellement à Limoges, à la fac de l'Est. Et c'est un gros plaisir pour moi de commencer avec nous, pour mon équipe de Jacmel, avec toute la jeune Jacmel et tout, qui a évolué là. Et là, c'est le fait qu'on ensemble pour la plus belle image que vous avez de Jacmel. Et puis, merci. Ok, merci Nainka. On va passer à Mlle Florence Lafalaise. Merci. Alors, bonsoir, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et non pas moi, c'est Florence Lafalaise. Et moi, c'est un petit Jacmel. Moi, fait toute vie là, fait toute étude, moi, Jacmel. Et puis, après études secondaires, moi, j'ai allé à UNDH, côté me fait une licence. Et puis, après licence là, moi, j'ai une opportunité pour moi, venir en France. Côté que moi, fais un master. Et dans sciences de l'éducation. Moi, c'est un monde qui croit dans l'éducation et qui croit que l'éducation, c'est une bagaille qui permet nous d'aller plus loin, qui permet nous aider Haïti développer et jouer Haïti que nous voulons demain, et spécialement Jacques Mel. Donc, bon. Et que, bien, nous allons passer à la liste des questions. Bon, je connais que Monseigneur, vous voulez intervenir. Peut-être pour la première question. Oui.
Très bien. Question ça, nous devons répondre à l'une après l'autre. Qui ça nous voit à côté étude nous recevoir dans le pays Haïti et puis dans Jacmel en particulier? Qui c'est dans la famille nous? Qui c'est dans l'environnement nous? Qui c'est dans l'église? Qui c'est dans l'histoire pays nous? Qui ça nous voit nous recevoir qui marque la vie nous? Rapidement, même j'en ai fait présentation. Voilà. Alors, depuis toujours, étude, c'est toujours très important pour moi. Et puis, c'est un bagage que moi, je joins dans la famille, moi. C'est ça, moi, toujours dit, il n'y a pas longtemps, t'as dit ça, maman, moi, par exemple, c'est plus gros éducatrice que je connais. Et c'est ça qui fait tout. Je dis, c'est éducation que j'étudie et maintenant je fais un master dans éducation. Et une bagarre qui marque moi dans éducation, c'est que vous capable faire n'importe ça que vous voulez. Une fois que vous avez assez de motivation, une fois que vous faites effort, vous faites un pile effort et bon capable faire n'importe qui ça vous voulez. Donc voilà, dans le parcours moins. Et ça qui te marque vraiment, c'est un échec que je fais. Des fois, échec. Et échec, ça marque moins, il donne plus force pour m'avancer. Et pour m'avancer, il donne plus force pour me motiver dans tout ça que je gagne pour me faire. Donc, je pense que c'est ça très important. Et échec fait partie de la vie. Et tout autant que vous vivez, vous êtes capable d'échouer, mais l'important, c'est relever. L'important, c'est servir avec échec ça pour faire un bagage qui est important, que ce soit pour famille ou que ce soit pour société, dans la société où vivant, que ce soit pour tout notre monde, pour capable de lumière, pour yo. Pour échec ça, pas arrêter seulement en échec, mais servir avec lui pour capable d'avancer. C'est ça que je me dis. D'accord, merci Florence. On a passé à l'autre monde? Moi, je parle dans le sens. Dans le sens de la falaise. Personnellement, ça qui m'a marqué, moi, c'est l'effort que mon lacarme était toujours apprendre à me faire pour ne pas dormir sous l'oreiller, moi, et que moi, toujours continuer à faire l'effort. Et pour illustrer samedi, hein, moi, la première fois, la première université Malé, j'ai gagné un étudiant qui l'LTOE façon moi, m'a brillé, etc. Et puis, il dit, de toute façon, si le pays me dit, bon, je vais venir à la caille. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué, qui toujours pousse me faire plus d'efforts toujours. Pour me donner l'opportunité pour, dans un futur proche, m'espérer pour mal changer la carrière, ou du moins pour m'aider à changer la carrière. Donc, c'est ça, Haïti. Haïti, bon, dans le sens que, même les nous là, nous, les autres étudiants, nous même, nous, les parents, nous, à l'aise la carrière. Et nous-mêmes, nous connaissons pas la carrière, donc du coup, là où même, nous fait 10% d'effort, nous-mêmes, nous connaissons fait 100% d'effort. Et c'est ça qui m'a qui toujours guidé, qui ça qui les motive, moi, ça qui boussole, moi, pour toujours continuer de jour en jour. OK. Merci, Lambert. Merci pour partager ça, ou faire avec nous. On nous passe dans bon côté dessous. Et tout collé. Dosso, ça dit dans ça. Moi-même, j'ai une famille qui m'a quitté et puis moi j'ai tout parcours dans l'université Notre-Dame d'Haïti, dans Jacmel qui m'a quitté. Dans la famille, moi, d'abord, c'est la liberté que j'ai toujours gagné dans le choix que j'ai fait. Mais que moi, pas de jambe beaucoup moins. Moi, j'ai toujours supporté par la famille moi, qui accompagnait moralement et financièrement et dans tout projet
que je voulais entreprendre. Donc ça, il n'y a pas de jambes là, moi. Donc dès que je voulais entreprendre mon bagage, j'étais toujours là pour supporter moi, pour courir moi, et puis pour aider à avancer. Pour aider à avancer. Deuxièmement, dans l'Université Notre-Dame d'Haïti, c'est l'accompagnement que je joins. Moi, j'étais un étudiant qui était toujours bah, bon résultat, mais moi, j'étais toujours dit tellement que au-delà des résultats, il y a un bagage que nous avons besoin. Nous avons besoin de grandir en leadership. Et nous avons joint, nous avons un bureau d'affaires étudiantine qui était là et qui t'a aidé vraiment à développer toute potentialité. Et Pédamé là, je ne vais pas vous éclairer pour Pédamé, mais je ne vous dis pas. Donc, il y a un pile de bagages qui m'apprennent. Dans ça, il y a un rapport avec diriger, comment gérer le monde, comment gérer le groupe. Donc, ça, c'est vraiment ma kim. Et c'est une expérience qui fait de moi un monde complet. Bon, OK. Merci. Merci pour pareil personnel, ça y est, vous partagez avec nous. Ouais, force la sortie loin, les sorties dans la famille, les sorties dans l'environnement, les sorties dans la rencontre à l'université. Mais tout ça, yo, c'est tremplin, c'est bazo qui paraît pour ou paraît sur les poils puis devant. En entendant l'autre monde encore. Ça dit dans ça, Kindra. Bon, moi-même, ça qui t'a marqué moi, donc c'est l'amour avec croyance que famille t'a mis dans moi. Donc, je me suis dit, j'ai fini de faire philo. Dans en Port-au-Prince, je suis réussi dans toute faculté. Donc, j'ai été découragé, crié. Mais j'étais toujours là, j'étais dit, pas arrêter comme ça. Faut qu'on inscrit dans l'autre université, tout ça. Donc, j'ai choisi à l'inscrit dans UNDH. Côté, moi, j'ai rencontré Père Damé. Donc, nous t'ai venu plus proche parce que j'étais professeur de philosophie. J'étais toujours, on conscient que si un monde, parfois, moi, j'ai une capacité à, mais moi, négligente. Donc, Père Damé était toujours là pour les encourager, faire effort, toujours motiver. Donc, ça, c'est incroyable, la Kylie. Donc, c'est vraiment une personne extraordinaire. Donc, il est toujours là, la motiver, qui me dit, ah, capable, qu'à faire effort. Donc, jusqu'à ce que moi, aller, moi, étudier, moi, je vais prendre licence, moi, dans soins infirmiers, et plutôt, moi, bon, ici, là, Kounia. Donc, ma vie, c'est en prolonger l'étude là, dans soins infirmiers, parce que, donc, moi, toujours, il y a un bagage qui marque, parce que, en tant qu'étudiante, non, donc, il n'est pas toujours facile pour, nous connaissons un système de santé en vie, un petit crasse difficile en Haïti. Donc, il n'est pas toujours facile pour, par contre, pour sentir ou combler vraiment. Donc, ça, c'est un vide qui poussait donc aller plus devant au moins pour essayer pour te supporter moi dans ce ça donc bon, moi c'est allé bon merci et Kounia nous va parler un petit peu de ce Jacques Mel là parce que et que nous on a grand pile dans panel de show qui passait dans Ida Jacques Mel ouais bon on connaît que nous avons un portrait de Ida Jacques Mel là. Et qui Jean Ides et Jacques Mella, ou formation entrepreneur Ides Jacques Mella, motivez-nous, soit que je dis pour nous en France, soit que je dis pour le Canada, et avec eux, nous garder que l'ancien recteur de l'Université de Notre-Dame est avec nous aujourd'hui. Et bon. Qui c'est une amour qui t'a contribué dans fonder Ides Jacques Mella. Darmen, Père Darmen, qui fait expérience, qui était dans le leadership de Jacques Mella ensemble avec l'autre, évidemment, avec Monseigneur Content, ensemble avec l'autre tout qui est allé, Marc-Songé Georges, nous avons mené juste en Belgique, en France, à Lille, ils font maîtrise, nous sommes passés à Lille, ils font un compliment pour nous dire, gardez un échantillon, voyez l'autre comme ça toujours. Bon Dieu, l'île. Mais moi, bien, espoir, grand pile espoir. Non, mais c'est Pédamin qui dit non. Qui Jean Ides là? Marcher, si après m'a dit un mot, m'a dit. Mata a dérangé que nous avons une possibilité pour que l'État exprime les belles questions qui ont été posées et à l'autre jeune qui a parlé de ça qui m'a marqué comme expérience que vous fait. Il y a un homme qui a lui-même qui peut dire rien. Oh, eh bien.
des possibilités pour ta lui-même tout exprimer de lui et bon, sur ça qui t'est pas clair. Oh, très bien. Ok. Moi-même, ça qui est capable de dire, c'est que moi, pas l'école, ni IDEF, ni chez les sœurs, mais classement, il a été c'était pas cool que je fais partie de Samusa. En fait, toute spécialité que je gagne. J'ai commencé à marcher dans l'église des déchets, car mon Seigneur. Et que j'ai commencé à faire expérience moins dans la chorale. Après la chorale, j'ai commencé à faire lecture. Moi, j'ai toujours connu que j'ai une potentialité là, quand même. C'était toujours moi-même qui était honnête. Je suis capable de dire que je n'ai jamais dit l'église, c'est moins ça, moi, je n'ai dit. J'ai même opportunité pour m'exprimer. L'homme fait lecture, l'homme fait commentaire, l'homme fait discours même l'église. Et tout ça, c'était, franchement, c'était une belle expérience que je passais dans la ville. Et tout ça, c'est grâce à l'église. Et je passais en plus de temps dans un pastoral jeune, qui fait que je fais une vraie expérience, notamment avec jeunes l'église et tout ça. Parce que si à la map étudier sciences du langage et communication, ça qui oriente, c'est l'église qui fait me connaître que une bien potentialité de la famille pour communiquer, pour me bien communiquer en bagage, pour partager ensemble avec l'autre. Et sincèrement, si c'est pas l'église, si c'est pas l'intégration dans l'église, il y a l'impression que nous, moi, il y a ce qui est là. Pas de problème. Et même pas de problème. Tout ce que j'ai là, c'est qu'on était sur le discours de l'église. Père Dame était là. Père Dame était de dire, discours ça, on s'en aimait que stérile pour l'air ou grand, pour après l'île encore, pour l'air qui chante comme ça. Et ça, c'est marqué en pile, parce que je ne sais pas si je suis privée dans un niveau comme ça. C'est l'église, moi, jeune pastoral. Tout ce que je suis mettée dans moi, c'est mon moyen aujourd'hui, je suis capable de plus de force, plus de motivation pour me continuer et puis pour m'avancer. Et ça, c'est ma cœur en pile. Un jour, je suis dit merci. Et maman, toute famille qui était toujours dans l'église, qui était à t'encourager, à aller à l'église, participer dans le groupe, tout ça. C'est une grille parce que. Bon, ok, bon, et question, donc, et Pedro, même pas qu'on est capable de répondre, et question, oui. Donc, moi, je dis merci à Nananka, à Kendia, à Dosso, à Lambert, à Florence, et à nous tous pour bon genre et réponse à ce que nous baillons, et qui édifie nous-mêmes tout. Parce que à travers ça nous disons, nous apprenons pour pouvoir peut-être pas d'autres. Quelquefois nous retrouver nous, moi personnellement, moi retrouver moi une expérience que nous dit nous fait, parce que moi certaines expériences nous faisons, ils pas toujours seulement des expériences proprement personnelles, les personnelles pour nous, mais parfois les partager avec l'autre monde dans sa même tout vivre. Donc moi dis nous merci pour ça. Pour me répondre à la question, Monseigneur et Pierre-André Pierre, posée sur UDES Jacques Mella, et que nous te joignons une possibilité de travailler là-dedans, collaborer ensemble avec Monseigneur Pierre-André Pierre, qui n'a pas de chambre suspendue et porter l'enfant que l'UDES Jacques Mella. Pour que moi dis, UDES Jacques Mella, c'est un UDES qui fait option suivant sa université Notre-Dame d'Haïti, les mêmes tout, les gagnent comme objectif pour encadrer les jeunes, yo, pour marcher avec eux, pour rester bon côté, yo, pour faire yo découvrir sens la vie, yo, pour faire yo reconnaître que la vie a bien pris, dignité, yo, valeur que yo côté na yo. Et comment valeur ça yo capable utile yo et utile l'autre monde qui n'entourage yo
Et comment yo doué en tant que monde qui a avancé dans le domaine de la science, yo capable tout rester connecté avec bon Dieu pour la foi yo pas faillir, pour la foi yo pas abandonner. Donc ce travail ça a monté fait. Moi songe les moins tes jeunes séminaristes, moi fini. Alors moi fini dans l'université et notre dans le séminaire Notre-Dame. Moi rentré Jacques Mel et comme stagiaire, moi été allé dans hôtel Cap Lamandou ensemble avec Monseigneur Sauveur. Et c'est là, il était réuni ensemble avec moi pour nous définir une ligne pastorale pour l'Université Notre-Dame d'Haïti pour nous connaître comment pour nous accompagner les jeunes. Et puis là, nous avons défini la ligne pastorale ça ensemble qui vient là-dedans des activités culturelles, des activités spirituelles et aussi un encadrement intellectuel. Mais tout, comment mettre les jeunes en valeur pour développer les capacités qu'ils ont gagnées. Et c'est comme ça, Monseigneur t'a demandé pour moi mettre en application un plan comme ça. Et puis, moi, commencé avec une collaboration qui était très étroite ensemble avec Monseigneur Fontan, ensemble avec Monsieur Paul Pressler qui était dans l'université avant. Et puis, il y a un jeune ça, que Monseigneur Pierre-André Pierre parlait de lui extraordinaire qui font études de manière très brillante en France, qui retournait dans l'Université Notre-Dame, qui a commencé le travail et porté bel projet Notre-Dame ensemble avec nous, que nous demandons bon Dieu pour lui accueillir lui, dans le repos éternel, lui, qui c'est M. Georges. Et puis, il y a Mme Saint-Val et tout un paquet d'autres monde et qui viennent rejoindre nous. Et par la suite, il y a actuellement vice-recteur et vice-recteur exécutif Jacques Mella, qui c'est Père Benoît, et qui lui-même, l'LTO, joint nous entrer dans une dynamique de mobiliser les jeunes, de travailler ensemble avec eux. Et c'est comme ça, nous entrer dans le encadrement des jeunes. Donc, moi, joint des bagages extraordinaires, la caille jeune Jacques Mella. C'est des jeunes passionnés pour le savoir. C'est des jeunes qui collaborent avec moun en pile. C'est des jeunes qui gagnent des potentialités la caillou et yo pas caché. Et c'est des jeunes qui pas égoïstes parce que ça yo gagnent, yo accepté mettre dans service l'autre monde. Et c'est comme ça l'université Notre-Dame d'Haïti, grand Jacques Mel, li fait un travail, l'a fait un travail et l'a continué encadrer les jeunes yo pour capable permettre yo aller de l'avant. Donc faut que nous dit vraiment encore une fois pour souligner le support extraordinaire que notre jeune bon côté rectorat qui toujours là pour côté étendard UNDH là pour côté flambois pour faire UNDH briller. L'arrivé Jacques Mel Kounia, lors du UNDH ou dit yon université qui prône la formation de qualité et qui forme les jeunes yo sous toute dimension, pas seulement dimension intellectuelle, mais qui forme yo dans toute dimension la vie, yo, dimension humaine, dimension intellectuelle, dimension spirituelle, et qui fait yo connaître yo c'est un monde total qui est capable de collaborer, contribuer avec l'autre monde pour permettre de mettre ya li capable plus ou moins assurer. Donc, c'est un peu ça, capable de dire de question ça. Avant, monsieur est intervenu, bon. Mais vous pas dit nous qui genre de formation que nous offrons dans l'idée de Jacques Mel, là. La vie combien pour accueillir tout ça, c'est le plus important pour vous. Oui. UDES, Jacques Mel, il gagne là dans les facultés sciences et de gestion et économie. C'était la première faculté qui était dans UDES, Jacques Mel, là. Et à par la suite, il pral gagner nécessité pour y répondre à besoin le jeune Jacques Melio qui était besoin travail, qui était besoin apprendre et en pile bagaille dans infirmière et c'est comme ça rectorat ensemble avec vice-rectorat Jacques Mella, il était décidé créer une faculté sciences infirmières dans l'université Notre-Dame d'Haïti. Par la suite, toujours besoin communauté, hein, besoin localité, hein, besoin département, c'est poussé. Et toujours Monseigneur André, qui était recteur dans cette période-là, ensemble avec vice-recteur Jacques Mella, Monseigneur Sauveur Content, évêque Jacques Mella,
dans l'époque là qui c'est monseigneur Loli Saturné, yo te mette ensemble avec tout l'autre monde qui t'a travaillé dans UNDH pour que yo te créé une faculté sciences de l'éducation. Et c'est grâce à faculté sciences de l'éducation ça qui fait jodia nous gagnons sous panel là avec nous Florence qui fait un master en éducation et qui t'a étudié dans UNDH qui vient pour retourner certainement pour la rendre service dans belle faculté ça côté d'étudier et puis nous gagnons Ernst qui est même tout dans troisième année et sciences de l'éducation dans même faculté ça et grâce à faculté ça Kendia faculté sciences infirmières la Kendia il gagne et diplômé comme infirmière qui diplômé pour l'État et qui connait à fait études spécialisées dans le domaine pour être capable de rendre pays service. Dosou, qui lui-même est dans la faculté et sciences économiques et puis gestion, qui étudie relations et administration publique, c'est dans la faculté ça qui lui-même tout lui formé et qui vient faire que la faculté ça a été rectorat et vice-rectorat est estimé nécessaire pour te mettre dans Jacques Mella. Mais vient tourner un bagage extraordinaire qui accompagne les jeunes dans le domaine intellectuel, dans le domaine formation sociale, dans le domaine formation spirituelle, dans le domaine formation humaine, qui fait que Haïti commence capable de dire, même s'il était bien avant, mais le capable de dire, il parle bien plus jeune, qui formé et bien formé, qui peut poser Pierre Payot dans la construction pays. Et à la fin, nous venons. Et se demande avec la qui était ça nécessaire de mettre un centre de formation professionnelle qui permet dans un an un jeune capable de joindre un diplôme qui vous permet d'aller sur le marché travail là dans Jacques Mel à l'autre côté dans le pays pour être capable de rendre service à la communauté et en même temps utile pour peut-être dans gagner et pain pour vivre et puis pour aider la famille à examen. Voilà. Ça veut dire que nous avons éducation, nous avons gestion, nous avons soins infirmiers avec une école professionnelle dans l'IDES, ça va voir? Exactement, exactement. Et c'est combien de monde que nous avons accueilli par année? Combien d'étudiants que nous avons accueilli? Et par année, et nous mettons tout ensemble, ça veut dire étudiants qui sont en sciences éducation, qui sont en sciences gestion économique, qui sont infirmières, qui sont en centre professionnel là, nous capables d'arriver parfois jusqu'à 700, 800 étudiants et parfois plus tout, dépendamment de l'année académique. Donc, c'est vraiment un UDERS qui est au service de la communauté. Merci, Nyangue. Merci. Et je vais entendre Genio parler. Même content pour Jean vous présenter le travail UDERS là. Madame. Ouais, là on dit UDERS, vous voulez dire yon unité dans le diocèse là ou bien dans le département qui là pour l'enseignement parce que faut former avec compétences dans le domaine et qui est possible. En même temps tout bon aspect recherche qui est important en pile dans l'université. Aspect recherche là, lui permet nous initier étudiants yo dans faire recherche tout ça qui là yo qui passait Notre-Dame moins certains yo te gagné puis yo te présenté en mémoire de sortie avant yo quitter Notre-Dame son bail qui est important pour nous initier yo dans recherche et puis en même temps tout dernier bagala dans UDERS là unité diocésain ou bien département enseignement recherche dernier S, dernier lettre là c'est S pour service. Bien important, pour tout ça nous apprenons, nous connaissons, quelle que soit façon, c'est pour service nous apprenons. Quitte ces services par nous, y a-t-il nous, quitte ces services environnement nous, quitte ces services communautaires, mais services pays. Et ça montrait, là où aller étudier, quel que soit côté où aller, où aller apprendre pour capable de servir pays. Puis bien, dans ce sens, dans l'étude, dans le fait, dans le même monde, nous chaque qui là, pour nous dire rapidement tout, qui ça nous vise, qui rêve nous. C'est seulement passer des trois années en dehors et puis tourner, qui ça nous vise, qui rêve nous. On a commencé, qui a qui est-ce qu'on a commencé? On a commencé avec Odosou, ou bien on a commencé avec Lambert, ou bien on a commencé avec Florence, Odosou en avant. Moi, je suis capable de dire que
choix études m'a fait connaître qui c'est management public. C'est un choix qui découlait de une sorte d'engagement citoyen. Les m'a regardé qui genre administration publique en Haïti a fonctionné. Les m'a regardé qui problème qui gagnait. Les m'a regardé dysfonctionnalité qui gagne dans administration publique là qui incapable pour servir population. Moi dit que moi pas capable pas prendre engagement. C'est ça qui fait que moi choisi faire étude ça pour que moi capable comprendre fonctionnement administration publique là. Qui ça qui l'état et comment l'état lui-même est capable changer de paradigme pour qu'il est capable arriver servir peuple tout bon vrai. C'est ça qui fait que moi compté après étude moi retourner en Haïti pour intégrer administration publique là surtout au niveau stratégique pour que me capable dynamiser organisation administration publique là rendre efficace efficient moderniser li pour que administration publique là capable tourner tout bon vrai un levier un outil de développement. Merci, merci. Mon cher, moi sentir. On a passé en deuxième monde pour nous tendre qui j'en vais la croiser. Nous sortis dans dessous, nous tombés dans Ernest, Joseph. Ok, moi-même, j'en ai dit déjà, j'ai étudié sciences de l'éducation dans l'Université Notre-Dame de Jamel. Et si ma plan, on dit que, et, si ma plan parole, t'as pour, on retourne dans le domaine de l'éducation en Haïti qui s'est Pierre Delima, il dit que l'éducation offre à une jeune génération qui met le pire au degré, comme ça tout, il a avilé. Et je vous dis, la société haïtienne, il y en a fait avec une éducation qui boite, une éducation qui passe sous des pieds. Et c'est ça que fait notre société qui est un peu maladroite, ça je dis, notre société qui sous des pieds, ça je dis. Alors moi-même, moi j'ai décidé d'investir dans l'éducation, moi j'ai décidé d'investir dans les sciences humaines et sociales. Juste pour me porter contribution PAM à pays. Parce que, je dis, éducation, c'est le moteur de développement de toute société. Nous avons gagné tout l'argent que possible, nous avons gagné tout instrument que possible, mais si nous n'avons pas formé, si nous n'avons pas appris à vivre entre nous-mêmes, si nous n'avons pas appris à être tolérant, si nous n'avons pas appris à connaître ce qu'est la science et comment pour mieux utiliser la science, pas pour déshumaniser le monde, mais pour aider le monde, si nous n'avons pas compris ça, si nous n'avons pas gagné ça qui était une information, nous n'avons jamais une société que nous avons gagné. Alors moi-même, j'ai décidé d'investir dans l'éducation juste pour côté contribution ça. Parce que tout au long de vie, moi, c'est moi qui rend mon service, c'est parents, c'est bon Dieu qui m'a mis à niveau que moi. Alors moi, je voulais étudier sans éducation, je voulais pousser ma science éducation pour moi-même, pour me tourner, rendre service à pays, rendre service à la communauté. Parce que sans éducation, Haïti que nous avons gagné, jamais nous avons gagné. Merci. Merci, Ernest. On va prendre pour Albaï. Merci. Florence, est arrivée, oui? Alors, moi, absolument d'accord avec Ernest. Il est vrai que nous faisons même études. Et donc, d'accord avec lui à 100%. Parce que l'éducation, c'est ça qui c'est une bagaille qui est fondamentale dans toute société. Pas qu'à vivre sans éducation. Et c'est pour ça que je remercie l'UNDH en pile. Pas je me suspends pour remercier l'UNDH parce que moi, je fais partie de projet UNDH là, dans la faculté d'éducation, hein, qui c'est travail avec ressources Haïti gagné, ressources Jacques Mel gagné pour bail une meilleure éducation à jeunes, une meilleure formation à enseignants, pour capable bien Haïti que nous voulons gagner. Hein. Donc, parcours moins ici en France, c'est pour vraiment contribuer dans l'éducation en Haïti. Voilà, donc, moi, je vais retourner en Haïti, moi, je vais retourner dans l'UNDH pour nous continuer avec le projet UNDH Gain pour former les jeunes avec une formation intégrale. Spirituel, donc au père d'Amandi, intellectuel,
et donc pour nous changer bagaille. Et me songer le m'ta fait qu'entrer UNDH, m'était toujours porté projet ça même si m'pote ko connaît qui côté ça t'a mené moi. M'était toujours dit le fait que m'entrer dans sens éducation eh bien faut m'bay tout moi-même pour me contribuer à ce que ça que m'apprendre dans l'université pour me capable aider l'autre monde, l'autre jeune qui pas gain même possibilité ensemble avec moi. Jeune qui pas gain possibilité entrer dans l'université, jeune qui obligé fin fait philo, y aurait été la caillou, y a pas gain possibilité entrer dans l'université. Ça nous gain en pile jeune, nous gain en pile exemple de jeune qui pas gain possibilité ça yo. Et moi-même y a une bagaille qui était toujours dans tête moi. Une fois que m'entrer dans l'université, on va faire 4 ans en licence, et ben m'a fait tout ça m'capable pour m'capable faire en sorte que moi son modèle pour toute jeune. Et c'est ça qui mène ici là justement dans master et m'a continué travail ça ensemble avec UNDH et me trouver que UNDH a fait un très bon travail dans vie Jacques Mel. Je crois que c'est une université Jacques Mel qui offrit jeune yo une formation complète et moins content d'est-ce que moi j'ai fait partie de l'université là et me content toujours ensemble avec yo pour nous capable faire Jacques Mel tourner en ville côté que ressources yo important ressources yo jeune toute place yo et ressources yo capable travail pour que nous gagnions un Jacques Mel qui vraiment capable de rivaliser avec toute notre ville en Haïti et que ce soit à l'étranger et que ressources nous yo capable représenter nous partout. Merci Florence. Delcano Lambert disparaît, Narankam Paweli. Amen Delcano. Mon cher, nous dans un temps de retour, qui rêvez-vous? Qui pourrait, comment ouais demain? Bagayou en pile, et déjà, nous avons parlé avec Pédamel, tout ça déjà, c'est, faut, et nous-mêmes qui dit y aura, qui pour entrer, qui pour bah écoute, mais pas nous. Parce que c'est, pays, c'est pas l'autre monde qui a changé le pronom, c'est nous-mêmes qui pour changer pays. Donc, objectif là, c'est que, après quelques années d'expérience ici, hein, et pour m'entrer, pour déjà, pour me faire écouter, mais si bien sûr, je suis d'accord avec moi, je suis d'accord dans l'université UNDH là, et puis par la suite, pour m'aider, créer business, Jacques Mel, créer business en Haïti, parce que c'est ça qui est formation, pour améliorer le quotidien, améliorer la journée, parce que va regarder mon en Haïti il pas vraiment fait business ou plus fait commerce on a fait commerce Livan l'acheter Livan et puis après ça le mettre comme bien après il pas arriver si on partie dans la société et ça moi je voulais changer exactement c'est remettre société à en partie dans sa li offrir et au niveau éducation et au niveau économique. D'accord, merci. Mon cher, c'est un aspect qui est important. Je suis content de vous dire, et puis c'est un rêve, c'est causer, créer entreprise. Sens pour faire des choses qui sont neuves. Mais on apprend en pile, ou pas seulement venir pour tant de monde venir jouer, mais ça pour faire, mais pour gagner des. Surtout là, dans le panel là, nous avons une bonne branche différente. Quand il y a des causes d'interdisciplinarité, là, on est aussi infirmière. Là on monde où c'est formateur, là on monde où c'est gestionnaire, là on monde où c'est professeur, nous capable mettre ensemble, nous faire des entreprises côté, nous permettre l'autre monde évoluer. Donc son gros bagage. Et puis créer bagage pour faire pays avancer à son gros bagage. Pas hésiter du tout pour porter bagage ça en avant. Amen. De l'autre monde qui paraît. Monsieur André, il y a juste un autre bagage pour dire que que les voulait que non seulement que et investir mais que pour offrir ça c'est en bas et tout ouais ça c'est important et pas seulement fait quoi les vous bagayer pour vous offrir oui créer bagay qui fait société à camper créer des choses mais parti dans ça les offrir non bravo merci pour
ça au partager avec nous. Il y a monde, il y a plusieurs monde qui peut vous dire rien, mais ouais, qui apparaît, qui dit à débloquer et puis parler. Bien, bien, bien. De débloquer. Voilà. Bon, rêve moi-même, donc nous connais que moi-même c'est un m'a évolué dans le domaine de santé. Donc rêve moi c'est fin faire études, ça m'a fait dans le domaine de santé pour retourner dans le pays parce que nous tout nous avons un seul objectif, c'est ramasser tout ça nous joindre de bon à l'extérieur et puis tout pour nous tourner dans le pays non que les bons que les pas bons donc pour nous améliorer le système là. Donc on connaît que le système de santé en Haïti sont bagages qui vraiment qui difficile qui tout le monde pas gain chance pour yo baronner pour yo jouir de ça et donc on est santé donc si monde pas gain santé donc n'importe si bagage là c'est comme si donc de vous pas gain santé c'est la mort quoi donc c'est fin prend ça que y a pour fin boy ici là et puis retourner dans pays pour m'aider du point de vue hospitalier dans société donc parce que santé ou infirmière paraît qui seulement dans milieu hospitalier donc y aller dans société y aller approcher ça qui par contre ça qui pas capable et plutôt pour améliorer état de soins en Haïti en plus tourner côté qui fait moins ça la finale dans Notre-Dame que je n'ai pas oublié. Donc, toute motivation, toute bah, bon, confiance en soi, que l'étape anti-classe égoïste, si moi aller en Haïti, et puis tout le monde ne pas tourner dans Notre-Dame pour nous améliorer le système bah, éducatif, là, donc pour nous améliorer chaque jour, et puis tout, donc là, nous commencer plus grand pour nous quitter l'État, pour ça qui est plus jeune, donc c'est ça. Donc, plutôt nous connaît. Donc, groupe panel ça pour moi. Donc, nous avons toujours été ensemble, nous évoluer dans même. Nous avons un seul objectif, mais nous évoluer dans différentes branches, juste pour nous faire comme si les nous finissons plus grands, baronnets, pour nous dire ah oui, nous faisons bon travail, que nous ne pas regrettons, que nous mettons ensemble, au moins pour nous pousser Jacmel, même nous ne pas. Par contre, nous niveau qui est plus gros, même pour nous pousser dans le niveau Haïti. Donc, c'est ça. Bon, merci Kendia. Moi ouais. Juste en motion. Dans la pédamen, t'es oublié dit qu'il m'était passé 2 mois dans UNDH là, tout pédamen. Ah. M'oublié. Ah. et avant que nous allions plus loin, moi c'est André qui me garde que ça que moi est réellement important. Et puis fort panéliste, yo prêt pour retourner à Haïti après formation. Et moi c'est que c'est très 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 important. Je ne veux dire parce que plus que 80% intellectuel nous c'est pas bon ici que nous. Et dans notre panel que nous faisons avec Tuki, avec plusieurs autres jeunes, il y a pile là des gens qui prêt pour retourner. Et bon, l'état toujours bon, que tout le monde qui est prêt pour retourner, au moins que pour nous commencer à regrouper nous en réseau, ouais, pour nous voir qui gens que nous, qui réellement, qui gens que, qui ça que nous capables offrir à Haïti, et qui gens que, vraiment, que nous capables aider à changer l'image là, parce que l'image là, que au niveau international, nous capables dire non, que nous connaissons qui ça que lui est joué bien. Et c'est nous-mêmes vraiment vrai, qui pour changer l'image pays d'Haïti à travers formation, et à travers discipline, surtout que nous voulons gagner moins. Et après, nous faisons une formation. Merci un peu, Beto, pour remarquer ça. Mais mon présence là, ouais, yo t'es au Maroc, yo à Paris, yo à Paris, yo à Montréal, yo varié, yo plusieurs côtés. Et puis, vous sentez à briller et vous sentez yo gagner un objectif, yo un rêve dans tête, yo un bagage à réaliser. Mon quoi ça déjà son gros représentation Haïti lié. Nous sommes ambassadeurs Haïti et puis j'en nous exprime nous là moi certain nous porter Haïti dans nous mais gagne un monde là qui a pèse sous que colle longtemps qui voulait parler nous pas quitter le palais non pas oui bon mais c'est non ça que me c'est que je ne pas dire pour faire dans mes pas dire que ça là inchallah bon disons que moi-même moi j'ai deux problèmes. Et nous pensons que ça m'a étudié, l'ICA et de manger deux problèmes. C'est qui ça? J'en ai dit tout à l'heure, moi, j'ai fait science du langage,
avec communication. Pour cela, moi, il y a ce qui ça. C'est que nous, en Haïti, nous dit que nous gagnons deux langues, qui c'est le créole et le français, qui sont disant deux langues officielles. Et puis, nous sommes capables, à part quelques jeunes qui passent l'école ou bien qui passent dans l'école qui plus ou moins avancée, ou bien quelques jeunes qui fait ça avec cette cure, au moins qui sont capables de rester en public, prendre un bon petit temps pour parler français, sans faille, tout ça. À part de ça, nous rencontrons plus jeunes qui font philo, qui ont université et qui ont le même problème. Là, c'est un jeune pour eux en public et puis pour eux parler français. Tout ça, pour moi-même, lui cause de mentir la peine. Parce que nous passons à soi disant dit que nous gagnons deux langues et que lui, à chaque fois que lui n'a pas les français, il trouvait que voir aussi une langue qui est prestigieuse. C'est au moins qu'on parle français pour eux, parce que waouh, vous trouvez ça, c'est un problème. C'est une des raisons qui fait que pendant que moi j'ai fait études moyennes, donc ça est dans la licence 2, dans la licence 1, j'ai gagné un devoir qu'on t'a fait, c'est quelque chose que linguistique, j'ai choisi celle sur Haïti, sur Haïtien. Pour tout ça, parce que nous-mêmes, nous parlons français moyen en français et que les différents. Continuez, Naranka, n'attendez pas. Oui. Jean que je me trouvais que c'est un faille lié à la caille, nous vient de langue, et puis pour le Napaléon, nous trouvons le plus prestigieux, c'est l'autre langue. Après ça, l'autre problème, là, c'est que pas y a un lien qui va passer par communication. N'est pas ça que nous faisons. Nous besoin de communication et nous besoin pour message là bien passé pour canal yo. Pour gagner un canal distinct, pour code commun, et puis pour gagner un feedback qui est bon dans tous les deux côtés. Si par exemple, moi, je dis un bagage, je suppose que je comprends, je suppose que je recevoir les gens que moi-même, moi, je l'ai là. Je ne sais pas pourquoi les choses qui sont dans. Ça qui peut repasser nous, il y a des choses qui peuvent être. Je ne sais pas, par exemple, dans la politique Haïti, même le président a fait un discours. Nous plus souhaitons que nous toujours ouais faille président fait tout ça me prouve que c'est faille beaucoup de communication monde qui responsable communication pays noir parce que lorsque un président il peut représenter ou bien peu importe quel pays qui puisse être un sénateur un député peu importe quel pays la représenter nous il représente nous bien et faut être sûr que le message que je vais faire passer a pour bien passer. Je trouve que nous avons fait feedback, la haine. Nous n'avons pas eu un code commun. J'ai que Yun dit bah là, c'est pas comme ça nous recevoir. Tout ça fait me sentir que l'éducation lui manquait. Il manquait puisque nous pas qu'à communiquer, Yun n'a pas qu'à comprendre l'autre. Du coup, ça a plus motivé nous, ça que m'a fait étudier pour me dire, non, ça me pote touche pas maintenant et que me prêt. C'est comme ça la coûter, ça me pote touche pas maintenant. Dans la porte française. Compliment. Nous avons posé un problème fondamental dans l'éducation dans le pays Haïti. Question de langage, question de communication, question de qui ça ouvre le bail au monde. Ouais, constitution pays Haïti, constitution, oui. Il dit, il y a un langage, un langue qui marinait. Qui cimentait tout haïtien ensemble. C'est langue créole. C'est première langue, nous. Langue grand-mère, langue grand-père, langue papa, langue maman, langue tonton, langue tantine, langue marché, langue football, langue la rue, langue la caille, langue tout côté. Ça, c'est langue, nous, c'est pas nous. Nous pas besoin de faire effort parce que nous entrons là-dedans. C'est nous-mêmes. Mais parfois, nous qu'on néglige à apprendre comme il faut. Nous pas apprendre à écrire bien. Nous pas apprendre littérature li bien parce que nous parler nous comprendre n'importe qui genre nous parler li bon alors que dans tout pays là on n'a pas apprendre nos langues depuis petit ou apprendre jusqu'à venir à l'université on pas apprendre ni toute littérature langue nous manquer ça et puis dans pays Haïti yo laisse nous comprendre nous c'est francophone ou la caillou papa ou c'est créole li parler maman ou c'est créole li parler grand-mère ou c'est créole li parler grand-père tonton, matin, tout côté, ou à l'église, c'est créole.
et puis qu'on mette puis au l'école pour yo nous c'est francophone. C'est un bagage qui vol, il est pas vrai. C'est son langue pour apprendre. Son langue pour maîtriser. Et dans apprendre, il faut apprendre les bien. Faut gagner une façon qui crée pour apprentissage la fête pour un monde où grandir. Yon façon côté ou comprendre le monde, côté ou comprendre la vie, côté ou capable sortir dans A pour arriver dans B. Mais c'est ou pas en entrer dans l'école. Moi j'ai l'aime petit m'ta pral l'école et te gon phrase n'te qu'on a pas apprendre dans histoire d'Haïti, yo d'Abdou Christophe Colomb était un italien et son père était un pauvre qui se rendait à Gênes. Ou pas comprendre ça bagaille là, son père était un pauvre qui se rendait à Gênes, était un pauvre tisserand né à Gênes, il va faire aucun sens le abdil parce que ou t'es seulement apprendre répéter et puis ou pas besoin réfléchir ou pas besoin comprendre alors que Jean dit là naranja conscience de langage pour comprendre et puis pour gon réaction pour gon feedback et ça li important en pile pour éducation pour après mais moi t'ai dit ça parce que nous connaissons ces présidents académie créole en Haïti en même temps tout et moi membre dans université enfin l'agence universitaire de la francophonie moi membre dans non seulement dans bureau central mais dans conseil administration de l'agence universitaire de la francophonie mais, véritablement moi dans un nexus côté moi ouais problématique là et côté moi prêt en Haïti faut nous poser moi content à venir à Haïti gagne un pion en plus dans petite ça qui là dans jeune dame ça jeune demoiselle ça qui là en cas pour poser problème. Moi, j'ai envie de profiter de me poser une question. Je me pose lui comme président de l'Académie créole. Là. Bon, bah, qui sont capables de nous dire, là, dans l'Église, 98% ou 99% de monde, c'est créole que vous parlez, lève que prêche là en français. Ils sont capables de nous dire ça. Surtout là, dans les États-Unis, le pays, ça y est, côté que 99%, et parfois, vous êtes capable de dire 98% de monde, c'est créole, créole ou bien anti-anglais. La vie que prêche en français ou bien en français. Moi, quoi? Je vais répondre comme président académique langue créole. Moi, quoi? Narendra Sotbo réponse là. Il y a une question de respect pour le monde. Il y a une question de feedback dans la communication. Ce n'est pas seulement où parler. Et puis, le monde tende ou bien pas tende, quel que soit ça. Yo tande yo pas tande ou content mais faut gagner yon aller venir faut ça ou dire moun nan recevoir et faut ça utile c'est la fonction du langage c'est fonction langage là Jean Narendra Sotbo dit nous là l'on respect pour moun ou parler avec ou veut le comprendre mais sou pas gen respect pour lui ou paraît là devant nous parler chinois qui ça c'est le président de l'Académie créole oui qui doit parler ça dit qui te comprendre qui te pas comprendre ça fait pas. Mais tout, il y a un complexe qui crée. La caille en pile monde. La génération pam nan tout l'été comme ça. La génération en pile monde devant l'été comme ça. Côté, yo te mette français comme l'unique langue officielle en Haïti. Et puis, non seulement ça, c'était depuis 1918. Mbable fait une conférence. Pour moi, changer format, ça n'a fait rien. Mais c'était depuis 1918, dans une constitution qui était faite pendant Américains étaient occupés, Haïti, ils étaient votés constitution ça, qui était dit, français, c'est langue officielle. Et puis, administration publique, là, il doit faire en français. Ou est-ce que ça veut dire? Il fait exclusion. Un monde qui pas parler français ou pas capable de faire un service dans l'administration publique. Et ils ont gagné une provision légale, puis ils ont refusé au lit. Parce que la loi a dit, l'administration publique se fait en français. Ou à l'école, c'était français. Ou à l'église, c'était français. Ou à aller dans le bureau, c'était français. Ou à aller dans le bagage politique, c'était français. Personne ne va comprendre. Le pays a fonctionné avec 5 à 10%. Et puis tout reste 90 plus pourcent, il n'y a pas de mêler dans un rien, il était là seulement pour servir comme choix bourré, travail, choix le galonné. Alors c'est tout le bagage, ça y est, constitution, 1987 la vin corrigé côté li reconnaître créole là c'est langue qui marinait tout haïtien ensemble 100% et puis gon patrimoine français tout
bon héritage français qui là nous pas jeter français nous pas faire quitter langue yo goumen entre yo mais nous besoin yo mais premier ça qui pour nous pas nous c'est racine nous c'est identité nous c'est culture nous c'est en Haïti nous créole là c'est pas nous faut nous faire promotion nous et tout genre même si nous en France même si nous au Canada kadi ki jan nous à l'aise pour nous dire ça nous voulait dire sans problème dans langue maman ak papa nous dans langue créole nous dans émission ça donc bon, il y a une bagage qui mérite corriger oui parce que bon, on a continué bon parce que normalement que les a pas passé sérieusement mais dans oui. Mais au moins que sont pas les jeunes Jacques Mel que nous gagne au moins que pour même pas les sur pour ta petit portrait jeune que nous gagne Jacques Mel problème nous gagne défi que nous gagne et nous même qui l'a tout qui est un peu partout bon nous capable dire que bon nous capable dire que nous fait partie des élites là je veux dire avec formation universitaire que nous gagne et qui jeune nous compter accompagner et jeune Jacques Mel et qui surtout dans mauvaise direction même d'ailleurs nous commence à faire un portrait et de jeunes que nous gagne Jacques Mel je veux dire merci Fabito nous tant des rêves nous tant des côtés sortis nous tant des ça y a fait nous quoi nous font bon tour de causer moi certains pédamins gon bagaille tout pour le dire pédamins l'a étudié à Rome actuellement l'a étudié philosophie et puis dans université Notre-Dame c'était une nan bagaille nous te mettait devant faire promotion la jeunesse préparer l'avenir moi content moi ouais avenir ça qui là qui c'est dans pédamins tout qui c'est dans Edosou qui c'est dans Florence qui c'est dans Ernest qui c'est dans Delcano, qui c'est dans Kendia, qui c'est dans Naranga, moi ouais l'avenir en nous. Pédamin, qui ça va dire dans ça? Eh bien, ça que je suis capable de dire, même gens avec toute l'autre communauté, et tout pays sous la terre, l'organe y a une génération de jeunes qui ont une différente qualité là-dedans. Il y a un groupe qui a toujours joindre qui très impliqué dans activité qui gagne capable dans question l'école dans question études dans université et puis qui impliqué tout dans activité sociale qui gagne côté la vivre là ou a toujours joindre des jeunes qui moyen qui a marché et là capable dire aux petits gens coussi coussa et qui besoin un monde qui pour encourager qui besoin un monde qui pour faire yo connaître que yo gagnent en pile belle bagaille la caillou pour yo mettre en exergue pour yo mettre en application pour yo découvrir et puis pour yo capable aller au-delà de ça peut-être qui a dormi la caillou et c'est ça qui fait le domaine éducation est très très important pour aider réveiller aspect ça yo qui la caillou en pile jeune et gagnent un certainement un petit point tout qui peut-être à cause moyen que yo pa gagnen ou du moins encadrement que yo pa gagnen parce que yo très loin yo pa gagnen accès à éducation et puis bon nous ta capable di avenir sa yo ta doué lié demain paraît tout petit gens bafoué paraît tout petit gens tout fait donc c'est ça qui fait li pas différent pour Jacques Mel. Jacques Mel j'en nous capable ouais dans image sa yo qui là gagnen yon on série de jeunes Jacques Mel que moi-même retirer chapeau bas devant yo pour qualité yo pour capacité que yo gagné pour bonne volonté que yo gagné pour idée lumineuse que yo gagné pour permettre que Jacques Mel avance et pays d'Haïti avance gagné jeune tout qui méritait pour que nous accompagner yo et c'est rôle l'église là c'est rôle université là et c'est peut-être ça université Notre-Dame by tête l'émission ça et puis pour ça tout si là yo qui très loin très très loin qui pas gain moyen qui pas gain possibilité malheureusement c'est des jeunes qui besoin que et pays a et investir dans yo et permettre que yo capable gagner un avenir qui est plus paraît possible un avenir qui plus assuré demain. Donc, c'est ça que moi, capable de dire. Ça veut dire qu'il n'est pas différent pour toute l'autre communauté, l'autre pays, l'autre département. On peut toujours joindre plusieurs catégories. Mais ça qui est plus important, dans Jacques Mel, et moi, j'espère tout, même genre en Haïti, on peut joindre un pile jeunes qui voulaient avancer. Et échantillon, ça, nous est là. Jeunes, ça, nous est présent là,
et parler ensemble avec nous. Ce n'est qu'une petite partie. Nous, nous-mêmes, nous capables de faire déjà une idée de comment jeune Jacques Mel est habité par des valeurs, par des capacités qui capable vraiment utile et utile communauté Jacques Melienne. Non, pas oublier Jacques Mel, son ville extraordinaire tout, son ville touristique, son ville qui gagne belle lanmèr, son ville qui gagne qui très avancée avec causes culturelles, carnaval. C'est une ville côté tout, moun yo yo font pile effort dans domaine intellectuel. Son jeune Jacques Mel décide par l'école, l'a senti que le manque en bagaille. Et c'est une raison qui fait où l'église l'a investi dans le domaine éducation pour capable encadrer, accompagner pour aller de l'avant. Donc c'est plus ou moins ça que je suis capable de dire concernant la question ça. Mais par contre, le jeune Jacques Mel qui voulait compléter la réponse. Un dernier mot rapide. Un dernier mot rapide. 30 secondes. Jacques Moun. On peut parler? Oui. Vas-y. Donc, moi-même, qui Jacques Mel, dans le moment, je ne vais pas dire que je suis mieux placé pour continuer à parler de jeune Jacques Mel, mais je vais dire un bagage en plus, père d'âme. Sam, c'est jeune Jacques Mel, hérité de Villio, c'est sauf créativité, c'est côté talentueux, c'est ça que hérité de Villio. Mais, pour ne pas oublier tout, il y a un jeune Jacques Mel, que pour des mois, pour des bagages qui sont indépendants, qui ne pas dépendent de yo, yo gen quelques problèmes. C'est-à-dire, yo manque accompagnement. Culturellement parlant, nous avons un paquet de valeurs que nous parlons fuiter, que nous parlons disparaître. Alors, c'est à nous qu'on y a un moment pour accompagner les jeunes, pour nous pousser yo, pour arriver côté de la rivière. Parce que Jean-Pierre Damasio dit, l'histoire nous témoigne qui type de ville nous est. L'histoire nous témoigne qui type de monde nous est. L'homme dans le Port-au-Prince dans l'Ouest, l'homme dans le Cap, l'endin ti moun Jacques Mel yo wè ki tip de moun ke ni yo konn sa ngi nan Jacques Mel. Alors sa ngi yo nou parle perdi yo nou vle perfectionne yo et sa ki deye yo tout sa ki fè k'ap vini yo nou pa vle oublier histoire yo nou pa vle oublier identité yo en tant que moun Jacques Mel. Alors nou même nou obligé socialiser yo nou même nou obligé transmettre yo valeur sa yo ke nou konnen de Jacques Mel valeur sa yo ke Jacques Mel ba nou. Merci, merci. On l'a pour encore 30 secondes, 10 minutes. Vas-y, Nakandia. Ce que moi j'ai ajouté, c'est que nous capable de dire que c'est nous-mêmes qui l'a. Nous capable de dire exemple, c'est nous-mêmes qui baillons parce que déjà nous avons opportunité. Qui fait d'armes capables, talent nous gagner, qui fait qui est extraordinaire dans nous. Nous capable de dévoiler talent ça pour nous-mêmes, pour ça qui derrière nous, pour au moins nous parler, pour nous dire. Mais ça m'a fait qui bon. Ou même chercher ce que ça aura pas fait qui bon en tout. Ça aurait que vous sentez à l'aise là-dedans. Là. Et quand ça me pense, c'est comme ça. Il y en a pralé l'autre. Et il y en a suivi l'autre. Il y a suivi un exemple qui bon à l'autre. Au lieu pour nous regarder ça qui pas bon à l'autre. Parce que l'influence là tout, il y a beaucoup. Et nous-mêmes qui l'a pour nous choisir l'influence de l'autre, mais positivement. Et quand ça, on a collaboré non seulement pour les mais pour être capable de dire extraordinaire. Et peut-être qu'une prochaine fois que nous faisons une mission, nous sommes capables de bien faire ça. Et puis, trois jours de temps profiter pour tout le monde parler, pour partager l'expérience. Tout ça. Du coup, c'est nous-mêmes qui l'avons, exemple, c'est nous-mêmes qui pouvons faire pour être capable de suivre. C'est ça que je devais ajouter. Merci, merci, merci. Ouais, rapidement, 30 secondes, une minute. Ok, mais ça m'a pas gêné. Donc, nous avons un filtre pour la société Jacques Mel. Donc, jeunesse là, vraiment, il y a une petite place fragile. Donc, nous avons besoin plus d'encadrement par rapport avec l'idée, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine ambassadeur religieux. Donc, il y a besoin plus d'encadrement. Donc, c'est vrai, nous avons une sens créative de la caille. C'est vrai, nous connaissons pas les têtes, nous, mais nous avons juste besoin d'encadrement avec Sila qui est dehors, Sila qui a une petite formation en plus. Puis, les leaders de l'église, surtout l'église catholique, qui a un petit booster en plus qui peut aider à aider, qui peut aider à avancer pour les promotions vidéo, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le monde. C'est
et ça dans tout, c'est que jeunesse là, est fragile dans le sens que nous connaissons la situation pays, hein, nous connaissons toute corruption, yo, nous connaissons les gens, ça difficile, donc j'ai juste besoin d'un cadre qui va y avoir confiance dans notre tête, qui nous dit que oui, donc on n'a pas besoin d'un tel, on n'a pas besoin d'un nouveau, on n'a pas besoin d'un parler. Donc, avec confiance que l'on a, avec confiance que l'on a dans l'intelligence, confiance que l'on a parfois, non, c'est ça que l'on a porté de façon positive dans la société, donc, qui a fait comme si l'on a une jeunesse qui ouais, parfois, on qui jump, qui voit dans la tête, non, 5-10. Merci, merci, merci. Qui laisse encore, qui peut parler? Ouais. Allez, Rick, dessous. Oui, oui, moi, je voulais faire un petit complété par rapport avec tout ça qu'il dit. C'est que jeune Jacques Melieu est très dynamique et très créatif, mais il a besoin d'accompagnement moral, psychologique. Parce que il y a un pile jeune qui souvent désespéré, c'est parce que pas jeune jeune au monde qui te dit, il est capable. Si il était tombé, il y a une possibilité pour relever, pour avancer. Donc, dans l'école, dans l'université, besoin d'une section qui là spécialement pour encadrer les jeunes, pour tendre, pour faire connaître que yo voyons un bagage, pour faire connaître que yo représenter un bagage, pour faire connaître que yo capable toujours aller de l'avant. Et une autre bagage, c'est que jeunes ont besoin de parler question entrepreneuriat dans tête chou. Ou jeunes yo pas seulement croire que depuis yo fin étudier c'est yon CV pour yon marché bail déposé yon côté pour yon capable de jouer un travail. Mais j'en yon besoin qu'on ait tout que yon même tout, yon capable de porter d'espoir pour la société. Yon même tout, yon capable de créer richesse pour la société. Merci, merci. Tout le monde dit, on va quand même beaucoup tantôt, Lambert. Vous parlez déjà? Non, dernier mot, 30 secondes, une minute maximum. Tout ça, tout le monde dit, c'est parfait, c'est des bonnes réponses. Même. L'aime des petits, ou du moins c'est bon, bagan pillage tout. Nous toujours quand tu dis Jacques Mel, Nathan longtemps, Jean-Jacques Mel, t'es belle, mais qu'on est Jacques Mel pas belle. Même les, ou rencontrer les gens à l'étranger, ou du sur Jacques Mel, ils disent ah, belle ville, bagay. Et donc, je pense que l'île est l'état pour nous-mêmes, pour nous-mêmes jeunes, et puis jeunes avec anciens, pour nous mettre nous ensemble, pour nous penser, pour nous concentrer nous sur Jacques Mel. Voilà, c'est Haïti d'abord, oui, mais c'est Haïti après, mais disons, Jacques Mel d'abord. Il faut commencer, il faut bagarre pour la caille, nous. Commencer, faire Jacques Mel, retrouver belleté, velleté, Jacques Mel chéri. J'en ai contenté aussi. Bah, ça, franchement, il manquait, même télé, mais Jacques Mel, moi, Jacques Mel changeait en pile. Donc, du coup, et, nous n'y travaillons pas, nous n'y travaillons pas, nous, c'est, mais, pourquoi nous ne pas faire? C'est un groupe, c'est une coalition pour nous faire ensemble, pour nous changer de bagage. Mm-hmm. Alors, Florence. Oui. Nous devons ajouter deux bagages. Premièrement, Haïti, c'est pas seulement Jacques Mel, et Gomba qui fait Haïti mal en pile, c'est la fuite de nos cerveaux. C'est jeune Nougain qui est très, très brillant. Mais qui jeune qui dans difficulté en Haïti et puis qui jeune occasion d'y déplacer, eh bien il y a le côté service li à un autre pays côté que il était le travail là et pas aucune intention de retourner en Haïti parce que dans tête li situation pas bon pour lui en Haïti dehors puis bon que la caille donc dans ce sens-là, c'est que nous-mêmes là, ou même Monseigneur, ou même Père d'Amé, nous-mêmes tout, nous avons un paquet de responsabilités pour nous capables de faire jeunes ça, rester la caillou, encourager à rester la caillou, mais ça a besoin pour que la caillou gagne opportunité, la caillou pour être capable de joindre, déboucher, pour être capable de travailler, pour être capable de gagner envie, déplacer, envie de quitter le pays. Et yon l'autre bagaille que parce que jeune yo pas seulement jeune Jacques Mel hein même jeune yo besoin orientation m'a pour rebondir sur ça dessous t'es dit tout à l'heure là où fin fait philo par exemple c'est soit jeune il a fait médecine il déplace elle quitter Jacques Mel là pour au prince parce que bah, nous pas une faculté de médecine vraiment Jacques Mel
il déplace l'alcool au prince, il fait médecine, soit le Jacques, mais il fait droit, il fait éducation. Alors que, bon, paquet l'autre bagage que jeune n'était capable de faire. Et l'État, dans le plan opérationnel noir, il prévoit des formations professionnelles pour jeunes. Mais jeunes qui font vraiment pour formation professionnelle, c'est jeunes qui décident de quitter l'enseignement général, l'enseignement classique, là, et quitter l'enseignement professionnel. Là. Alors que, bon, paquet jeunes qui l'a, mais le fait qu'ils sont mal orientés, le fait qu'ils sont mal orientés, eh ben, ils sont obligés en virer de l'école et pour être capables de faire philo, pour réussir à entrer dans l'université. Donc, il y a des gens qui échouent, justement parce qu'ils sont mal orientés. Je pense que l'orientation scolaire, l'orientation universitaire sont pas que nous manquons. Et nous-mêmes qui sommes dans l'université, ou même Monseigneur, ou même Père Damien, nous avons ça comme responsabilité, nous-mêmes tout, nous avons dans Diakout nous. Ah, en tout cas, bon, je ne connais pas. Le mot de la fin, c'est André qui a bien pour faire le mot de la fin. C'est tout ce temps, c'est tout le temps que nous disposé pour l'émission. Parce que Père Damien parlait que nous pouvons tout parler, pas vrai? Je ne connais pas si je suis capable d'ajouter. Je ne sais pas si Père Damien voulait ajouter en valeur avant que pour Monseigneur le mot de la fin. Donc, avant moi, bah, Monseigneur conclut, moi, je voulais juste vraiment dire un gros merci à qualité bon travail nous-mêmes n'a fait avec Radio Solidarité dans pastoral et haïtien qui a vivre l'autre côté. Moi féliciter nous parce que son beau travail n'a fait. Faut jeune monde qui pour dire nous ça. Travail ça n'a pas gain prix. M'encourager nous là-dedans et m'pourrait tout le monde doit côté coller ensemble avec nous pour dire ça n'a fait à son bon bagage. Moi, je voulais remercier nous. Merci, Monseigneur André, pour la qualité de ça pour les jeunes. Pour moi, tout, parce que je m'apprends en pile de bagaille de oui, ou pas de comme ça, je ne dis ça. Moi, j'apprends en pile de bagaille de Monseigneur. Moi, je dis, Monseigneur Sassari, merci parce que lui mette qualité, possibilité ça pour les Haïtiens qui vivent de l'autre côté, qui expriment, mais tout, Haïtiens qui en Haïti. Mais tout, avant de finir, permettez-moi de dire, yon ti merci, mais yon ti merci par affection, parce que les plus yon ti merci, son merci en lettres majuscules, c'est yon merci en lettres d'or pour ces jeunes. Yon connaît bien que m'remè yon, yon connaît bien ces amis que yon yon. Et yon fait des bagages extraordinaires, mais moi apprécie nous, moi remè nous, et continuez comme ça. Nous pas de doigts lâcher, parce que nous c'est mon qui marié connaissance nous recevoir dans l'école avec la foi nous dans bon Dieu. Ça nous pas rien droit la guerre. Kembe et dimension intellectuelle n'a perfectionné pendant n'a perfectionné dimension intellectuelle là, perfectionné dimension la foi. Parce que dimension la foi que n'a perfectionné l'a aidé nous wè bagay yo avec yon l'autre que généralement yo wè yo et a permettre que nous fait différence là. Et nous présenter ça là déjà, nous montrer que dans nous, il y a quelque chose de spécial. Vraiment merci parce que nous t'ai accepté répondre à l'invitation. Hein? Nous t'ai accepté dire oui et nous respecter oui nous. J'en ai toujours fait et puis m'encourager nous pour continuer d'être bête dans la tête nous. Et puis pour nous tourner la caille, pour nous continuer à collaborer ensemble pour nous permettre nous mettre un petit levain dans la patte là pour être capable de lever plus. Merci. Merci en pile, en pile, en pile. Frère Bito, ouais, travail là bon, continuez. Autant de ces jeunes qui disent ça, et pourtant de yon jeunes parmi les jeunes qui est cheminé avec jeunes qui disent ça tout. Mesdames. Mais ma profite tout pour me dire, Ricardo, merci en pile. Pour me dire, Ernest, merci en pile. Naranda, merci en pile. Et puis Kendia, et puis Delcano, et puis Florence, pour me dire nous tous un gros merci. Ensemble avec Pédamène. C'est pas seulement merci, non. Moi, féliciter nous. Nous faisons contents, nous faisons fiers. Moi, fier parce que moi, qui bon produit qui sortit la caille, et puis qui bon divin n'a préparé pour la caille. Mais, pendant qu'on a parlé de Jacques Mel, moi, nous insistons en pile sur Jacques Mel, moi, content. Mais nous connaissons Jacques Mel, c'est tout de suite de cela. C'est plus gros que content toujours gagné les malfaits graduation dans UDERS, dans Jacques Mel, pour demander chaque étudiant qui côté lui sorti. Ça a dit moi lui sorti Cochon Gras. Ça a dit moi lui sorti Baudin. Ça a dit moi lui sorti La Vallée.
ça a dit moi li sorti Bénin, ça a dit moi li sorti Cap Rouge, ça a dit moi li sorti la montagne, ça a dit moi li sorti Oranger, ça a dit moi li sorti Belance, ça a dit moi li sorti Okaï, comme si vous senti c'est tout sud-est là qui là dedans. Vous voyez même qui sorti l'autre côté qui sont Gonaïves, qui sorti au Cap et puis qui venait tout et non Jacques Mel là. Moi connais Jacques Mel, son ville qui a une histoire extraordinaire. C'est la ville d'Alcibiade Fleury-Battier. Comprendre, c'est la zone du grand général Rabel. Comprendre, c'est la zone du grand professeur Jean le philosophe. C'est même zone ça tout qui l'on sorti sous coq chant en haut à descendre pour venir Jacques Mel où est son féerie, c'est la beauté de la Caraïbe où est devant. Moi connais ça Jacques Mel représenté et me connais tout ça moi dans Jacques Mel, ça me vive dans Jacques Mel. Mais nous raconter, nous dit tout ça qui bon, nous parler de carnaval, nous parler d'intellectuel, nous parler de Alcibiade Fleury-Battier, nous parler de l'église, nous parler de racine nous dans Jacques Mel. Mais faut me dire nous personnellement sens créativité Jacques Mel là moi well déjà dans nous, sens responsabilité à moi well dans nous. Chaque fois me parler de l'université Notre-Dame, moi toujours dit tout sac la dent c'est un rêve. Ça que la donne, c'est une promesse. Ça que la donne, c'est une responsabilité. Ça que la donne, c'est un développement pour tout Haïti. Ou aller dans une zone, dans une région. Et puis, avec tout monde qui est dans une zone, non, pour créer un leadership, mais une, dans le sud-est. Et puis, pour faire tourner, porte-voix, porte-parole demain. Et puis, qui viennent ramasser problème côté à pour côté solution là-dedans. Merci, bon Dieu, pour ça nous représenter pour Jacques Mel, pour sud-est et pour Haïti. Gen nan l'autre côté toujours. Mais nous connaît grand pile monde qui était devant, yo aller, nous t'ai fait mémoire ta l'air de George. C'est yon nan jeune ta pour nous même qui était plein espoir. Qui t'ai créé yon force pour Notre-Dame et pour Jacques Mel. Bon Dieu l'el. Ça fait deux semaines à peine. François tout. Oui, François tout. Nous songe yo, faut nous songe yo dans moment ça parce que yo fait nous connaît gen devant nous. Et puis sous rêve on a bâti plus. Il fait gagner madame Timothée qui est un premier monde dans Notre-Dame qui travaille pour l'école des sciences infirmières. Nous avons 7 facultés sciences infirmières dans Jacques Mel en Haïti. Jacques Mel gagne tout. Port-de-Paix gagne, Okaï gagne, Gonaïve gagne, Hinche gagne, Port-au-Prince gagne et Okap gagne. Te gen yon, kounye a gen 7, grâce à Dieu. Mwen yon ti moment pou nou sonje madame Maud Timothée ki te kolaboré en pile, nan mette 7 fakultés sa yo sou pied, li mouri semaine dernière, li enterré semaine dernière. Mwen sonje le tout. Mais m'ap di nou, personnellement, et ces derniers mots m'ap di ya, sa ki inspire m nan tout bagay sa yo. Sa ki toujou inspire m nan la vie m, c'est parce que moi quoi moi te jwenn ça dans maman ma papa moi te jwenn ça dans famille moi ouais qui gen moun te gen valeur pour yo lò considérer moun lò bay moun valeur pour comprendre toute la volée là pour servir moun et moi comprendre tout dans Jean papa ma maman te instruit dans l'église dans bon Dieu c'est bon Dieu qui te force yo c'est bon Dieu qui te bay route ça moi quoi c'est route Jésus ça qui te relève fait vinn bon vocation pour me te prête pour me te paix c'est route Jésus ça qui te mène même dans ministère ça dans service ça ça toujours inspiré c'est quoi remet bon Dieu a pour nous il est capable de changer nous il est capable d'aider nous changer terre il est capable d'aider nous changer monde il est capable d'aider nous changer la vie c'est sous ça moi te jouer toute la vie même les ouais toute bagarre semblait impossible mais avec la grâce bon Dieu toute bagarre a vienne possible. Et nous prenons en route, nous prenons là, nous prenons route de l'excellence. Même si nous faisons master 1, master 2, même si nous arrivons pour un bon diplôme maîtrise, m'a demandé nous dans la vie, nous pour nous toujours garder très haut. Un proverbe chinois qui dit, sous besoin aller dans la lune, marie bâton dans le soleil là. Comme si viser plus loin possible, nous capables de arriver. Toujours maintenant tête nous
c'est pas seulement venir faire un travail, mais faut tourner en référence dans ce qu'on va faire, pour jouer une opportunité, pour jouer une possibilité. Pas contenter d'une miette, ni d'une formation à demi, toujours viser l'excellence. Et quand on y a, faut briller. Et leur briller, quel que soit quand on y est, lumière là, absévi. Mais ouais, non, lumière pour Haïti, pour demain. Pas arrêter dans la route, et pas quitter aucune contrariété fait nous camper. La bouvain de monde qui dit non, t'as pour moi ça n'en pile côté États-Unis l'autre côté. Oh, nous c'est race monde qui pas vaut rien. Nous prouver le contraire. La bouvain de monde raciste qui a cherché barrer nous là-haut. La bouvain de monde qui a dit non, nous pas capable. Nous prouver le contraire. Moi, quoi, avec une génération de coupes à nous, nous qu'a changé Haïti et nous représenter en pile pour la terre. Maintenant, des bon Dieu ça, qui bon Dieu la vie, ya. Jésus qui dit nous, il est venu pour servir tout le monde. Non pas pour la chercher prendre, mais je suis venu pour servir et non pour être servi. Et puis pour nous meubler tête nous, pour nous meubler cœur nous à crème, pour nous meubler tête nous à connaissance, pour nous meubler corps nous tout avec toute qualité de développement possible. Et puis pour nous connaître dans solidarité, dans travail, une clotte avec la grâce bon Dieu, avec bénédiction bon Dieu. Nous sommes avenus pour Haïti, nous sommes avenus pour le monde. Merci, Monsieur Pierre. Merci pour tout panel monsieur. C'était temps à que nous était disposé. Et que c'est sûr, ça va dernière émission que nous avons l'autre toujours. Et monsieur, que nous avons toutes bonnes paroles que Monseigneur et dit nous pour finir. Tout bon conseil que nous avons. Et me voit que vraiment que nos chaque là que son lumière nous y est pour Jacques Mel et pour le département du Sud-Est Jean que moi c'est André Pierre Divi parce que Jacques Mel quand même c'est et que non pour Sud-Est parce que nous avons dit que Jacques Mel c'est lui même qui ville principale là ouais et que n'a pas été en contact avec nous et nous réellement t'es très 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 content que vous nous gagnez nous quoi que pour panel ça c'est pour bon Dieu béni nous au nom papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Amen. Amen. Bon succès. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, ak belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage ak belle couleur. Haïti, c'est sans café, ka monte nan nem le matin, c'est sans la rouze qui fait poser, pour flézise ka boujonne. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadien, la citadelle, c'est la badie ak marigo. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali ak Zabriko, c'est mon la selle, pic Makaya, c'est Mamlad ak mon Bilbo. Haïti, son douce makos, c'est yon poyen pistache grillé, son jicolé qui pouban fos, son bouteille cola bien glacé. Haïti, son bon griot, son bon frita, yon bon tasso, son bon légume avec sirop. Son bon diri avec la l'eau. Haïti, son bon bouillon, son soujou mou ak tout piment. Son bon cassav avec mamba, katran penan akasa. Haïti, son bon dombwe, ka marine non bon sos poa. Son bois cochon, un bon clérou. Haïti, son bon café du soir. Haïti, chéri, pou jamais remè. Mwen vin depose ti kè mwen nan men. Haïti chéri pou jam adore ou. Pa gen anye ka jom fè mwen kite ou. Haïti chéri pou jam remè ou. Mwen vin depose ti kè mwen nan men. Haïti chéri pou jam adore ou. Pa gen anye ka jom fè mwen kite ou.
Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadou, son son kata cérémonie, son son kwashi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'est tes ancêtres qui étaient pour nous. C'est là l'esclavage t'aboli, son tes libertés à vaudou. Haïti, c'est festival, c'est ti souris, c'est fête champêtre. C'est animation dans le carnaval, c'est un petit zilek pas j'en frette. Haïti, son bon basic, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gen bouillon, c'est la gen gen bétette. Haïti, c'est un combi de paysan cap sec les la tête. C'est ti machin, yon cap descend, yal goumé ak la vichè. Haïti, c'est ti moun yo kap rêve de yon bel avenir. C'est l'origol la cap descend, pa kon kote le bras la tenu. Haïti, c'est un battant, l'an depuis après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang, chaque long ti la pli fin tombe. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est valise, c'est mon cas chanté. Haïti, chérie, pour jamais aimé. Moi, vin déposer, tu gèmes en même. Haïti, chérie, pour jamais adorer. Pagé en écart, j'en fais, moi, quitter. Haïti chéri pou janm renmen, mwen vin depoze ti kèmen nan men. Haïti chéri pou janm adore, pa gen an ka janm fè mwen kite. Haïti se yon maman ki kon sa yore le doule. Yon fam ki jam, yon fam vanyan, mèm s'il konnen li pa parfait. Haïti se yon bel fam ki mèm s'il passe en pile misè, li toujou fon jan range kol, pou tout petit li toujou fiel. Haïti se tout bagay sa yo ki fè ke nou remè, et mèm si wout la long konnen, nan toujou la pou mkèbe. Haïti chéri ou mèt kwèm, bagè an yè ka fèm kite ou, mèm toujou la pou mkèbe. Chérie, il est musique, ça donne au thé. Pas de chant, il est.